Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais me faire le film Fat Man. Alors j'étais en fait sur Amazon en train de tourner, je sais pas trop regarder, puis je vois Mel Gibson en Père Noël. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai lu le synopsis, alors je vais vous le dire exactement. Hein. En fait, en gros, c'est l'histoire du Père Noël, qui prépare Noël bien sûr, et il offre, bah, comme la coutume veut, des jouets aux enfants sages et un charbon aux enfants pas sages. Et en fait, un gosse milliardaire, enfin milliardaire pas vraiment, mais un gosse très riche, a un charbon parce qu'il est méchant avec les gens. Et donc suite à ça, le Père Noël lui met un charbon. Et donc lui, il met un contrat d'un tueur sur la tête du Père Noël. Le speech m'a branché, je me suis dit, pourquoi pas. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder ça. Donc c'est parti pour découvrir Fat Man. Donc je viens de me finir Fat Man. Eh bien, bonne surprise, j'ai bien accroché le film. C'est un film qui est vraiment sympa à voir. Mel Gibson dans toute sa splendeur. Hein. En plus, il y a le gars, comment il s'appelle ce gars-là? Le gars qui jouait dans S.H.I.E.L.D., dans The S.H.I.E.L.D., dans Justified, et je sais plus... je sais plus son nom. Il est un peu dégarni et il joue très très bien cet acteur. Et en fait, le film est pas mal réalisé parce qu'au début, on sait pas trop ce qui se passe, si c'est le vrai Père Noël, si c'est le faux Père Noël, il y a plein de trucs qui font que... Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, vous allez le découvrir par vous-même. Par contre, il y a pas mal de scènes d'action, de scènes de baston avec des gunfights sympas. Et le film dure 1h30, 1h20, 1h40, je sais plus combien de temps il dure. Et c'est agréable à regarder. C'est un bon petit conte de Noël, mais un conte de Noël qui différencie des autres contes de Noël. Vous savez, souvent les contes de Noël... Tout le monde est gentil, tout le monde est connard, à part certains contes qui sont un peu plus... comme Violent Night, que j'avais été voir au cinéma, qui sont un peu plus durs, bah ça c'est dans le même style. Donc si vous aimez les contes de Noël, mais un peu déjantés, avec un Mel Gibson toujours aussi bon pour moi, je vous conseille ce petit film, il est assez sympa. Bon après, vous attendez pas un film d'action de ouf, hein. Les choses se mettent en place, et sur la fin, il y a une bonne scène d'action que j'ai trouvé assez excellente. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!